Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et on se retrouve en compagnie de Nexus aujourd'hui. Et salut tout le monde! Pour une nouvelle chasse aux yokai. Donc, c'est deux yokai qu'on nous a pas forcément demandé, sauf Couchetard, je crois. Oui, Couchetard nous a demandé, ouais. C'est ça. Et en fait, ce sont deux yokai qui sont exclusifs à chacune de nos versions. Donc, Herbert. Voilà. Pour la version Esprit Farceur. Voilà. Donc, voilà. Toi. Et la version Buffy. C'est Couchetard, il est trop mignon que sa petite déesse, encore une fois, on a le yokai le plus mignon, voilà, c'est tout. Les Buffy, voilà, c'est la vie. Non, moi je suis plutôt pour le farceur, excuse-moi. Hein. Alors, du coup. Au niveau de la nourriture, Herbert mange des légumes, donc ce qu'il y a de mieux, c'est la pousse de bambou, c'est pas trop cher, et en plus ça peut vous servir pour les combats, voilà. Voilà, et du côté Couchetard. C'est des burgers miam qui se trouvent au magasin d'hamburgers, qui se trouve tout simplement au centre-ville de Grandval. Oui. C'est ça. Et toi, c'est dans le quartier des boutiques. Moi, c'est le quartier des boutiques, voilà, donc la grande allée commerçante. Donc là, du coup, c'est une chasse yokai classique. On n'a pas besoin de faire de reset. Voilà, donc ça va être long. Et par contre, le yokai se trouve dans. Enfin, les deux yokai se trouvent au même endroit qui est l'arrière-cour. Moi, j'y vais également depuis les boutiques, hein, parce que c'est pratiquement au même. Alors, ouais, moi, le magasin d'hamburger était juste à côté. Donc voilà, c'est derrière le truc de restaurant dans cette espèce de petite contre-allée. Voilà. Donc on va essayer d'y aller maintenant et normalement... Ah bah, il est juste là. Ouais, pareil. Ah, il est trop mignon. Allez, voilà. Go. J'espère qu'il est pas dur à battre. Hein. Enfin, je pense pas. Hein. Rang non, E. Non, franchement. En plus, sont tous les deux rang E. T'en as 3, t'as de la chance. Je vais lancer des burgers miam. Ouais, par contre, à mon avis, je vais les tuer plutôt vite. Hein. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux en donner à chacun. Ouais, pas con. Alors du coup, petite information, à l'heure actuelle, nous sortirons cette vidéo, nous serons certainement en live, même sûrement, voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo le samedi 29 avril, voilà, voilà, et donc du coup, si vous voyez un petit ping rouge sur la chaîne, on vous invite à venir, voilà, tout simplement, et on se retrouvera encore ce soir pour autre chose. Alors du coup, moi j'essaye de les pinguer, tu t'as vu, tu vois, j'ai acheté 30 burgers, tu vois, je suis au taquet. Ah, moi j'en ai un qui vient, mais c'est pas le bon. Il s'appelle Zikafon. Zikafon, ok. Bon, ils sont pas résistants du tout. Hein. Bon, après, quand on les aura, on vous parlera un tout petit peu de leur fusion, parce qu'ils fusionnent. Hein. Voilà, de la suite. Voilà, de la suite. Il y a, voilà, ils passent après. Et moi, je l'ai. Voilà, donc. Ah, super. Eu. Alors, avec une facilité, franchement, j'ai fait 3 combats. Moi, j'en ai fait un. Et voilà, un seul. Voilà. Moi, il est trop mignon, il dit, j'ai perdu car j'ai manque de sommeil, tu vas jouer avec moi toute la nuit. Alors, moi, j'ai vraiment craqué pour sa petite déesse dans les mains. Franchement... J'adore. Donc du coup, on va quand même vous comparer, enfin vous montrer un petit peu les dégâts qu'ils peuvent donner, même si là, ils sont trop bas niveau pour se rendre vraiment compte avec leurs stats et tout. Mais juste histoire de vraiment, enfin, les comparer. Voilà, on peut déjà comparer là maintenant, je pense. Hein. Donc du coup, on va les comparer un petit peu directement dans le médaillon. Hein, déjà, voir moi, un le petit mien, peu, il est rang 10. Hein. Il est rang 10. Rang 10, ouais, bien sûr, totalement. Alors moi, déjà, le mien, il est niveau 10. Le tien, il est niveau 8. Peu importe, ça, on s'en fout un peu, je pense, au niveau. Non, mais, oui, mais quand même, le tien, au niveau force, il est quand même meilleur. Hein. Par contre, au niveau esprit, le mien a l'air... J'ai l'impression que le mien est plus équilibré. Par contre, le tien est plus genre esprit... Il est plus... Ouais, il est pas fort. Alors, une c'est chose quoi, est sûre, c'est qu'il est pas fort. Par contre, son talent. Moi, toutes les statistiques sont augmentées la nuit. Ah, en même temps, oui. Couchetard. Il va bien ce yokai. Tous les yokai trouvent plus difficile d'attaquer. Pas mal. Franchement pas mal. Hein. Coup de poing 15, bon, on a le même truc. La multi, le manque de sommeil affaiblit fortement la défense de l'ennemi. Pareil. Ah non, c'est l'attaque de mon côté. C'est vraiment bof comme yokai. C'est vraiment bof. Il est vraiment juste mignon en fait. C'est... Le yokai se couche tard tous les soirs, ce qui baisse sa défense. Et pareil pour la force de mon côté. Mais on ne vous a pas tout montré parce qu'en effet, ces deux yokai que nous venons d'avoir, en fait, se fusionnent tout simplement pour devenir des rambées. Donc le mien, Couchetard, devient Noctambile à fusionner avec un chauve qui peut ou un tangoubre. On vous mettra les fiches de ces yokai en description. Et le tien? Et le mien se fusionne avec Feulion pour devenir un Carnanova. Carnanova. Carnanova, ouais. J'ai du mal à le dire. Donc, du coup, on va se faire la fusion ensemble et constater leurs stats après, si ça change un peu leur talent, des choses comme ça. Alors, du coup, où est-ce qu'il est, mon petit yokai? Ah, attends, par contre, j'ai trop de trucs à fusionner, moi, par contre. Alors, j'ai sélectionné mon petit copain avec mon chauve qui peut. Attends, je recherche Herbert, il est là. Herbert. Oui, je vais fusionner Herbert et ce lion. Alors, go!
Oh, le mien est toujours classe. Le mien a toujours sa DS en main, tu vois, voilà, il a la classe, tu vois, le Bouffi. Le mien m'a déjà gavé là. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel yokai vous voulez voir la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Même si c'est des yokai pas rares, là c'est pas un yokai franchement rare qu'on a fait aujourd'hui, mais voilà, on n'a pas envie de le faire, c'est des yokai exclusifs à chaque version en fait. Ouais, là c'est exclusif à chaque version, d'ailleurs, il faut que tu me les files. Ouais, c'est pas faux. Alors du coup, on va constater un petit peu si ça a changé ou si pas du tout. Alors du coup, Noctambile, hein, eh ben, il a toujours la même chose, toutes les statistiques augmentées la nuit, toi plus facile d'attaquer, ça change pas. Par contre, il est devenu plus fort. Ah bah le tien aussi. Non, c'est inversé moi. Tous les cas, il trouve plus facile d'attaquer. Alors que l'autre, c'était difficile. Ah. Est-ce que ça change grand-chose? Franchement, j'ai un doute. Alors ensuite, du coup, passons à la suite. Toi, le tien et le coup a changé, tu vois. Ouais, alors par contre, là on est même niveau, donc c'est intéressant, tu vois. Ouais, là on est au même niveau, du coup, avec la fusion. Mon coup retourné est mieux. Incendie, ouais. La multime n'a pas changé. En fait, ce qui a changé, toi, c'est ton attaque qui est devenue comme meilleure. Hein. Ouais, mon meilleure que du coup mon Noctambile. Hein. Par contre, la technique est devenue pas mal. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que tout a changé. C'est qu'au lieu de baisser sur les ennemis, ça augmente sur les alliés. Ah, une stratégie avec ce yokai à faire. Bah moi, ça a pas changé grand chose. Hein. Franchement. Ouais, non, franchement, moi, c'est resté. Ça a resté pareil, en un peu mieux, quoi. Le yokai un peu plus. Voilà. Voilà, un peu plus fort, voilà, quoi. Rien d'exceptionnel pour ces deux yokai, je trouve, mais voilà. Rien d'exceptionnel, voilà. Mais il fallait là, les faire. Pour le médaillon à 100%, il les faut bien, donc voilà. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, on espère que cette petite chasse vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à proposer vos yokai en commentaire de la vidéo. Et puis nous, on se retrouve là, maintenant, en live, du coup, pour ceux qui viendront pour le samedi 29. Appuyez sur le bouton live. Voilà, voilà. Et sinon, on se retrouve pour lundi. Voilà, allez. Ciao, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.